Les ondes radio sont plutôt magiques. En effet, c'est une sorte d'énergie invisible. Cette antenne peut en capter suffisamment pour alimenter ce récepteur rudimentaire que j'ai fabriqué. Il n'a pas de pile. Il dépend totalement de l'utilisation de l'énergie des ondes radio dans l'air. Le volume n'est pas très fort. Je vais donc le placer devant le micro pour vous permettre d'entendre. Un soir, j'ai réussi à capter Radio Israël émettant à Jérusalem. Bien que la radio soit une merveille, elle existe depuis si longtemps que c'est devenu un objet plutôt ordinaire. Même l'électronique à l'intérieur nous est assez familière. Durant cette émission, je vais vous montrer comment ces mystérieuses ondes radio ont été découvertes et comment les récepteurs radio les captent. Créer des ondes radio est très simple. N'importe quelle étincelle électrique en émet. Toutes ces étincelles émettent des ondes radio. Ce sont les parasites que vous entendez à la radio. C'est pour cela que l'éclair provoque des parasites. Même la plus petite étincelle d'un interrupteur peut produire un petit bruit. Mais sans poste de radio, il est difficile de détecter ces ondes. Les scientifiques ne croient en leur existence que depuis une centaine d'années. C'est l'expérience du physicien Heinrich Hertz, faite en 1887, qui les a finalement convaincus. La première démonstration en Angleterre a été faite par un scientifique du nom de Oliver Lodge, ici à la Royal Institution. Hertz utilisa d'importantes étincelles produites par cette machine qu'on appelle une bobine d'induction. Tu peux l'allumer, Bill ? Elle était reliée à ces plaques métalliques avec un espace au milieu. Ça servait d'antenne, en quelque sorte. Voici le récepteur de Hertz, une simple boucle en cuivre. La grande étincelle crée des ondes radio avec suffisamment d'énergie pour qu'une petite étincelle passe d'une boule à l'autre du récepteur lorsqu'elles sont suffisamment rapprochées. Si je les tiens comme ceci... Vas-y, Bill. En regardant attentivement, vous voyez l'étincelle passer d'une boule à l'autre. Ces étincelles sont si petites que Hertz devait habituer ses yeux à l'obscurité pendant 15 minutes. Ensuite, il observait les étincelles à la loupe. Son appareil n'avait qu'une portée de quelques mètres et il n'a jamais essayé de lui trouver un usage pratique. Le premier qui utilisa des ondes radio pour envoyer des signaux fut Giuliano Marconi. Marconi avait été un enfant difficile. Sa mère était une Jameson, les producteurs du whisky irlandais. Partie en Italie pour devenir cantatrice, elle avait épousé un propriétaire terrien italien, mais rapidement elle s'ennuya. Le petit Marconi a passé son enfance à voyager en Europe avec sa mère. Where are we going, Mama? Barcelona. Or perhaps Boulogne. Gatti colorati, la 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 la. Eccolo, eccolo lì, la 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 la. Il ne s'intéressait pas beaucoup à l'école et agaçait constamment son père avec ses ridicules expériences scientifiques. Qua sei? Eccoci. Eccola. Il ne réussit pas à entrer à l'université, mais peu de temps après, il lut un article sur le travail de Hertz. Il entama immédiatement des expériences et réussit rapidement à transmettre des signaux sur plus de 1,5 km. Il n'avait que 20 ans lorsqu'il arriva en Angleterre pour vendre ses idées. Marconi avait découvert qu'en reliant une extrémité de l'appareil à un long fil vertical, son antenne était bien meilleure que celle de Hertz. Il améliora son idée en reliant l'autre extrémité à la Terre.
mais son émetteur était pratiquement le même que celui de Hertz. N'importe quelle étincelle fera l'affaire. Ici, Rex utilise celle du circuit d'allumage de sa voiture. Cet émetteur primitif avait une portée étonnante. Marconi utilisait un récepteur beaucoup plus sensible appelé cohéreur, fondé sur un concept de Lever Lodge. Ceci est une fabrication maison, un simple tube de limaille de nickel obtenu en limant une pièce. Vous fixez une extrémité à l'antenne et l'autre à la terre. Lorsque le cohéreur détecte les ondes radio, sa résistance électrique baisse radicalement, agissant ainsi comme un interrupteur qui active un circuit. Cette théorie est très compliquée et n'a été comprise que bien plus tard, mais elle est facile à appliquer. Il y a cependant un petit problème. Vous devez pouvoir le secouer afin de rétablir sa haute résistance à la fin de chaque signal. Ah, j'envoie un signal à Rex. Voici le matériel que Marconi a amené en Angleterre. Voici son émetteur avec une bobine d'induction comme celle de Hertz et ses boules concentrant l'énergie de l'étincelle. Une extrémité était reliée à l'antenne. Voici son récepteur. L'antenne s'attachait ici. Son cohéreur est à l'intérieur du tube de verre. La limaille se trouve dans l'espace du milieu et voici l'élément marquant les impulsions. Marconi envoyait en morse une série d'impulsions longues et courtes. Cet appareil n'avait qu'une portée d'environ 5 km, mais Marconi augmenta la sensibilité de ses cohéreurs et la taille de ses émetteurs pour pouvoir envoyer des messages à des centaines de kilomètres. Les émetteurs les plus grands faisaient beaucoup de bruit. Il a donc fallu les enfermer dans des caissons. Les premiers systèmes de Marconi avaient un grand défaut. On ne pouvait pas les régler. On entend le signal de notre émetteur à étincelles sur les petites, moyennes et longues bandes de fréquences, car les étincelles créent des ondes irrégulières dans différentes longueurs de fréquences. Il fallait un émetteur plus précis qu'une étincelle. Voici la solution. Le circuit réglé. Ça ressemble à une vraie radio, mais les éléments de base sont encore assez simples. Il y a une bobine de fil ici, ou inducteur, et une série de plaques métalliques qui se chevauchent. C'est un condensateur. L'électricité circule rapidement de l'un à l'autre en oscillant des milliers de fois par seconde. La lampe sert de pompe qui régule le tout. Vous pouvez voir les ondes radio transmises par ce circuit sur cet oscilloscope branché à une petite antenne. Si je tiens l'antenne près du circuit et que j'allume, vous pouvez voir la régularité des oscillations ou des ondes qu'il transmet. Comparé à la machine à étincelles, les ondes radio sont vraiment chaotiques. Après avoir perfectionné l'émetteur à circuit réglé, on a rapidement interdit les émetteurs à étincelles, car elles polluaient les ondes. Le problème des parasites ayant été réglé, la radio semblait si miraculeuse qu'elle pouvait presque tout faire. Les premières radios étaient encore limitées. Elles ne transmettaient que de simples impulsions en morse et non pas la voix. On utilise encore le morse pour des messages sur les petites ondes et des codes d'impulsion pour des engins télécommandés.
J'ai fabriqué cette petite voiture pour une série télévisée pour enfants. J'ai branché l'oscilloscope sur l'émetteur pour que vous puissiez voir le flux d'impulsion que la voiture reçoit. Si j'appuie sur cet interrupteur, celui des phares, vous voyez qu'elle émet une impulsion. Si j'appuie sur celui-ci, il émet deux impulsions pour ouvrir la porte. Celui-ci active le volant de gauche à droite. Vous voyez qu'il émet quatre impulsions. Celui-ci émet cinq impulsions. Il contrôle la vitesse de la marche arrière, avant, etc. Chaque série d'impulsions active une fonction différente. Pour transmettre la voix et la musique au lieu des impulsions, il fallait d'abord convertir le son en un signal électrique avec un microphone et ensuite l'associer aux ondes radio. Dans le récepteur radio, le tout est reséparé. On le voit nettement sur l'oscilloscope. Si j'allume cette petite radio et que je branche l'oscilloscope sur le haut-parleur, c'est un peu fort. Voici l'image du signal sonore. Elle correspond à peu près au son qui sort du haut-parleur. Si je remonte plus loin dans le circuit, voici le signal sonore associé aux ondes radio. Les pointes correspondent encore à peu près au son qu'il émet et les ondes radio montent et descendent rapidement au milieu. Maintenant, si j'étire un peu le son, voici les ondes radio. Vous voyez que le son change constamment leur taille ou leur fréquence. C'est pour cela qu'on l'appelle modulation d'amplitude ou AM. L'homme qui a conçu la plupart des circuits pratiques pour la radio AM est un Américain du nom de Edwin Howard Armstrong. En France, durant la Première Guerre mondiale, il inventa le circuit Super HET, Super Hétérodyne, encore utilisé aujourd'hui. Il a ensuite vendu son brevet à RCA aux États-Unis. I have an appointment to see Mr. Sarnoff. Oh, Sarnoff's expecting you, Mr. Armstrong. Thanks. You're welcome. Il est devenu millionnaire du jour au lendemain et tomba amoureux de la secrétaire du patron. How about you come for a spin in my motor? Okay. Hop in there. Oh, it sure is a big one. Pour l'impressionner, il acheta une énorme Hispano-Suiza et grimpa en haut de la plus grande antenne. Ils se marièrent peu de temps après. Will you marry me? Oh, Howard, my hero. Les principes fondamentaux de la radio sont toujours les mêmes. Voici l'émetteur de la BBC à Brookmans Park, qui émet en moyenne fréquence au sud-est de l'Angleterre. À l'intérieur, les ingénieurs ont restauré le tout premier émetteur de la BBC, construit par la société Marconi vers 1920. Cette partie crée les ondes radio et celle-ci les associe aux signaux sonores, la modulation d'amplitude. C'est simplement une série d'énormes circuits réglés avec les lampes, les bobines de fil des inducteurs et les plaques métalliques des condensateurs. Il génère environ 2 kW. Cela peut paraître beaucoup, mais cet émetteur moderne a une puissance de 150 kW et il est beaucoup plus sophistiqué. Il diffuse Radio 3 sur AM dans tout le sud-est de l'Angleterre. À l'intérieur, les éléments de base sont pratiquement identiques. Les inducteurs sont exactement les mêmes et les lampes et condensateurs, bien confirmés, fonctionnent sur le même principe. Des appareils émettant le son comme ceux-ci sont apparus durant la Première Guerre mondiale. On les utilisait pour envoyer des messages par radiotéléphonie. C'est après la guerre que les ingénieurs enthousiastes de Marconi ont lancé la radiodiffusion de divertissement. Le gouvernement créa ensuite la BBC en 1922 et la radio connut très vite une grande popularité.
Au début, la plupart des auditeurs avaient des postes très simples, des postes à cristal, comme le rexophone. Il fallait des antennes énormes, car comme pour ma radio au début de l'émission, elles n'avaient pas de piles et dépendaient entièrement de l'énergie des ondes radio dans l'air. Oui, c'est plus facile de voir comment les postes fonctionnaient avec cette version faite maison. Au lieu d'un cohéreur, il y avait un morceau de cristal et un petit fil de fer appelé moustache de chat. L'électricité ne passe que dans un sens entre le fil et le cristal, ayant pour effet de séparer le son des ondes radio. Comme pour le cohéreur, la théorie de la moustache de chat est très compliquée, mais elle est facile à appliquer. Parfois, le contact imparfait entre les dents et les plombages a le même effet. Certaines personnes peuvent entendre la radio dans leur tête en permanence. Et voici l'équivalent moderne de la moustache de chat, la diode au germanium. En utilisant une loupe, on voit que c'est une version fermée du même élément. La moustache touche le morceau de germanium. Ma radio du début de l'émission, ainsi que la plupart des transistors modernes, les utilisent encore. L'évolution des postes de radio a été reconstituée par Gerald Wells au musée des postes de radio d'époque. Et si vous vouliez quelque chose de mieux que le poste à cristal, qu'est-ce que vous auriez choisi? Cette radio, par exemple, avait trois unités séparées. C'est pour cette raison qu'on l'appelait poste de radio. Elle avait un amplificateur de circuit, un détecteur et un générateur de courant. Vous pouviez capter la plupart des radios locales avec des écouteurs ou un petit haut-parleur. Quelle a été l'étape suivante? On décida de mettre tous les éléments dans une même boîte, avec moins de fils pour que ce soit plus net. Elle était un peu plus élaborée. Avec plus de stations radio, il fallait un meilleur réglage. On a donc introduit en série des interrupteurs montés en parallèle pour les antennes et les circuits, un condensateur réglable, un condensateur à réaction, un amplificateur de signaux, un détecteur pour remplacer l'ancienne moustache de chat et deux amplificateurs. L'appareil était assez élaboré. Pourtant, en bougeant ces barres, vous pouviez vous passer de ces éléments et écouter avec des écouteurs. Ça économisait beaucoup de batterie. Quand a-t-on commencé à encastrer les éléments de la radio? Vers 1925. On avait décidé que ce n'était pas très esthétique dans le salon. On a donc commencé à la placer dans des objets familiers. Par exemple, on pouvait facilement la dissimuler dans l'armoire à pharmacie pour ne pas en lier le décor du salon. Y avait-il d'autres formes? La plus connue, bien sûr, était l'armoire des fumeurs. Il y en avait une dans chaque maison. Vous y rangiez vos pipes, etc., en haut. C'était une industrie importante. Dans ce tiroir, vous rangiez vos cure-pipes, vos allumettes et votre tabac. On pouvait facilement y dissimuler une radio. Ces premières radios marchaient avec des batteries. Oui, il n'y avait pas beaucoup d'électricité. Pour les premières radios, il fallait utiliser un accumulateur de 2 volts. Parfois de 4 ou 6 volts, mais normalement de 2. Il devait être rechargé toutes les semaines. Il fallait donc en avoir 2, un en recharge et l'autre en utilisation, et vous aviez besoin d'une batterie à haute tension et d'une batterie à grille croisée. Elle durait 1 an environ et coûtait 9 pence. Celle-ci durait environ 3 mois et coûtait un peu plus de 7 pence. C'était donc coûteux. Oui, assez. Il fallait acheter une grande antenne. Toutes les semaines, vous deviez faire recharger votre accumulateur. C'était pas coûteux en soi, mais il fallait vous en occuper et vous organiser, car vous n'aviez que 20 heures d'écoute par semaine. Vous alliez chez votre marchand de radio pour consulter un programme au comptoir au lieu d'en acheter un. On mettait un stylo et du papier à votre disposition pour vous permettre de noter votre programme pour la semaine. Vous pouviez ainsi planifier vos heures de repas selon les émissions à la radio, car on ne se contentait pas d'écouter. On s'installait autour du poste pour se concentrer. Il fallait rentabiliser la dépense. Chaque semaine, vous alliez au magasin avec votre accumulateur et retrouviez d'autres clients et vous parliez des émissions. La réputation des émissions dépendait beaucoup des discussions dans les magasins de radio.
Dans les années 30, l'arrivée d'un nouveau matériau, la bakélite, a permis de changer du tout au tout la forme des radios. La société anglaise Edco a été un pionnier des nouveaux styles. Mais ce matériau avait un défaut, il se cassait facilement. See these two portable radios? Well, watch this. Let her go, Betsy. Sorry, friend. You old-style portables have to go. But look at our new RCA Victor portable radio. Came through without a chip. RCA Victor's non-breakable impact case means no chipping, no cracking, no breaking. And hear that tone. It's RCA Victor's great golden throat sound. See the world's only portables with the non-breakable impact case as low as $27.95 at your RCA Victor dealer. Depuis la guerre, le plus grand changement en radiodiffusion a été l'arrivée de la FM. Elle est beaucoup moins sensible aux parasites, ce qui représente un grand avantage. L'étincelle qui couvre le son d'une bande AM ne s'entend pratiquement pas sur la FM. FM veut dire modulation de fréquence. Le principe est assez simple. Au lieu de changer l'amplitude des ondes radio comme pour la AM, le son change leur fréquence. La FM a également été inventée par Howard Armstrong. Il a commencé à travailler dans les années 30 avec une ferveur de missionnaire pour construire une radio haute fidélité. Après des essais encourageants avec RCA, la société décida brusquement d'abandonner. Sarnoff! Well, why have you cancelled my project? Ah, get off my back. Hi-fi radio is the thing of the future. Une fois la radio FM lancée, Armstrong et RCA entamèrent une interminable bataille juridique sur les brevets. You have stolen my ideas. You did not. I was the inventor. Certainly not. How can you? Cette bagarre fut désastreuse pour sa santé et son mariage. Ah, that's such a terrible day. By the way, I'm leaving. This is the last straw. I can't take any more. Aujourd'hui, la FM est solidement implantée. Elle est irremplaçable pour les communications radio comme pour la diffusion. Quand je pilote mon petit avion, j'utilise la radio. Personnellement, je ne volerai jamais sans elle. Cela me permet de rester en contact avec la tour de contrôle, les autres pilotes et les aéroports. Si vous vous perdez, la tour de contrôle peut vous aider à retrouver votre chemin. C'est aussi une radio de navigation. Je peux la régler sur différentes radiobalises installées dans tout le pays. Je peux m'orienter en fonction de ces balises pour retrouver mon chemin facilement. Les radios grand public sont également beaucoup plus sophistiquées. Un grand nombre d'entre elles ont des réglages automatiques et la qualité du son est très impressionnante, surtout pour la FM. Mais malgré ces améliorations, la radio a vraiment été éclipsée par la télévision et d'autres miracles plus modernes. Les radios ne sont plus des objets aussi précieux qu'autrefois. En fait, l'idée de la radio seule a tendance à disparaître. Les radios sont vendues avec un lecteur de cassettes, des réveils ou des chaînes hi-fi. La radio est un appareil si courant aujourd'hui qu'il est difficile de croire qu'elle est encore magique, mais j'espère que durant cette émission, j'ai réussi à vous convaincre qu'elle l'est encore.